salut à tous. On se retrouve sur une petite pêche pour une nuit là sur un canal là, à côté de la maison. Donc j'ai amorcé ce poste depuis deux jours à peu près avec l'habi RW Elite Cleaver. Donc voilà, je me suis arrivé à peu près vers 3h30 à peu près ici. Le temps que je m'installe et tout, premier petit bip vers 4h15 à peu près. 4h15, deux petites tirettes. Je décide de pas trop y toucher. J'attends de voir et peut-être 20 minutes après, j'étais en train de placer une canne. Départ, ça a déroulé. Et c'était une jolie petite commune de un peu moins de 8 kg. Donc bien propre, que je vous présenterai plus tard. Donc ça fait plaisir. Donc on attend la suite là. En espérant que Rico soit sage. Hein, qu'il aille pas trop à l'eau. Et puis voilà. Il y a une petite coco que je viens de faire à l'instant, à peine posée sur ma bordure. Enfin, moi j'ai posé que deux cannes parce qu'il y a encore des bateaux qui passent. Donc je suis sur un canal. J'attendrai ce soir pour poser la troisième canne en face. Et voilà, ça fait plaisir. Pour moi j'ai décapoté déjà. Une petite saucisse encore. La troisième, après une décroche. Même temps que je mette les waders, ça s'était fait mal dans les roseaux, donc j'ai pas pu laisser décrocher dans les roseaux. Voilà la troisième. Voilà, c'est Rico qui vous présente le poisson maintenant. Tu présentes le poisson à poids? Ben, elles ont l'air d'apprécier les bouillettes RW. Hein. Parce que si, là, c'était... J'ai mis la bille 3C. Voilà. Une bille 3C avec une pop-up par-dessus. C'est assez simple. Par contre, ça chie de la... Ça chie de la morse que j'ai amorcée depuis 3 jours, là. Voilà.